Stéphane a discuté avec Mathieu Cafaro. Pour revenir rapidement en Ligue 1, la SSE cherche à mettre en place une équipe compétitive. L'objectif de la Saint-Etienne étant de finir parmi les deux premiers de Ligue 2 au terme d'un championnat 2022-2023, synonyme de grand retour dans l'élite. Laurent Baltès a déjà recruté Jimmy Giraudon, Anthony Briançon et Dylan Chambost. Les recruteurs stéphanois travaillent toujours sur d'autres arrivées, surtout que Lucas Agourna a quitté les Verts suite à son transfert au RP Salzbourg. Adil Aouchiš et Denis Bouanga devraient suivre. Vision de ses départs, ses deux joueurs offensifs et la direction de l'AS Saint-Etienne discutent avec Mathieu Cafaro. Standard de Liège était passé par le TFC, son club formateur et le Stade de Reims. Puis arrive au Standard de Liège au Mercato Hivernal 2022. Si l'AS Saint-Etienne le recrute, le transfert se fera aux alentours des 4 millions d'euros. Pour moi, c'est une très bonne recrue.